Tu sais, les filles qui disent, moi, je suis un petit peu une sorcière. Ah non, moi, je suis de même. Moi, je suis folle. Moi, je suis un petit peu une sorcière. Ah non, moi, j'ai des feelings. J'ai des prémonitions. Moi, je suis un petit peu une sorcière. J'ai des cristaux. Je suis un petit peu une sorcière. C'est soir de première pour la sorcière Mona de Grenoble, drag queen et humoriste. Christine présente son premier spectacle solo de la poudre aux yeux à l'Olympia de Montréal. C'est allé lui rendre visite avant qu'elle monte sur scène. Ben oui, et toute déjà préparée, ma belle oui. Mona. Ben oui, me suis grimée pour toi, ma belle cri-cri. Merci. Toujours aussi fine, hein? Toujours aussi smart, comme n'est-ce on dit. N'est-ce pas? De la poudre aux yeux, oui. Premier One Mona show, n'est-ce mm-hmm. pas? Présenté hier à Québec, aujourd'hui rentrée montréalaise. Puis là, tu me disais avant même qu'on commence, t'es un petit peu stressée. C'est sûr que la fausse femme a shake dans ses bas culottes dans le moment. C'était un gros début de semaine, hein? On n'a plus les lundis mordus qu'on avait, hein? Fut un temps, au moins, lundi, c'était tisane et bouquinerie. Le mardi, c'était flatter un chat et me plaindre de la température. Maintenant, je fais ça. Je suis nerveuse, mais fébrile en même temps. J'ai hâte. Là, t'avertis d'emblée tout le monde dans quoi ils s'embarquent. Parce que t'es une drague qui fait pas de drague. C'est important de le mentionner. Exactement. J'avertis également les gens qui m'ont connu à la télévision de pas faire le saut parce qu'il y a pas de montage dans mon spectacle. On va loin. On se gâte. Puis oui, c'est pas un spectacle de drague. Il y a tout ça. Puis je me questionne sur à quoi ça me sert faire de l'humour, finalement. Oui, c'est ça. C'est de l'ouvrage, c'est là. Oui, puis c'est beaucoup d'ouvrage physiquement. Oui. Fait chaud, c'est inconfortable. Ça aussi, tu m'en as parlé avant qu'on ouvre la caméra. Oui, il y a un monsieur très moite autour de ce robe-là en ce moment. Puis ce monsieur-là, Alex, oui. On a le droit d'en parler? Ben oui. Il est dans la pièce, il est oui. Là. Ça se peut qu'on le découvre lui aussi. De toute façon, on le voit une fois de temps en temps dans les médias, mais éventuellement, est-ce que Mona va laisser la place à Alex ou Mona sera toujours là? Bien, Mona sera toujours là. Je ne vais pas la tuer, mais je vais la garder éventuellement pour les occasions spéciales. T'sais, on va sortir en même temps que les décorations dans le temps de Noël. On va accrocher ses boules dans le sapin. Mais je veux dire, je vais la garder pour des occasions spéciales. Mais un jour, je pense que je vais écrire puis travailler pour faire de l'humour à Alex. Plus confortable. Plus confortable. Le luxe de pouvoir souper avant un spectacle, ça, vous le savez pas, mais c'est un luxe, la nourriture de ce temps-là. Oui, c'est bien plus confortable, puis une énergie différente aussi. En tout cas, de l'énergie, il y en a. Oui. On te souhaite un bon show, une bonne première, monadegrenoble.com pour les détails, hein, si jamais vous voulez aller la voir à travers le Québec. Ouais. Au moins deux, trois. Bon show, Mona. OK, on y va.